Aux environs, à la fin septembre et au début du mois d'octobre 2021, une dizaine d'élèves en provenance d'Autriche, accompagnés de leurs enseignants, ont découvert La Réunion grâce au lycée Antoine de Saint-Exupéry. L'occasion aussi pour eux de prendre part à la vie lycéenne locale et d'avoir ainsi l'honneur de planter une dizaine d'arbres endémiques au sein de l'arboretum du lycée. Pour Alina, jeune Autrichienne de 17 ans, c'est vraiment un honneur de mettre en terre bois de Judas, bois rouge, bois d'arnette ou autres bois de Zévi. Moi je m'appelle Alina, j'ai 17 ans et je viens d'Autriche. Et voilà, au cours de projet avec Erasmus. Maintenant, on est ici pour planter des arbres, pour faire un signe écologique. Et voilà, c'est très cool de faire partie de tout ça aussi. Des plantations endémiques au lycée qui entrent parfaitement dans le projet TKD, Thérésien Cadet, initié par la municipalité depuis 2020. Celui de planter 6000 arbres endémiques sur toute l'actuelle mandature et faire revivre les espaces publics de la commune. Pour Eva, professeure en Autriche de français et de sport, ce voyage au cœur du bassin sud-ouest de l'océan Indien restera un bon et agréable souvenir. En alliant de la sorte découverte d'une autre culture et engagement de citoyens européens autour de la biodiversité réunionnaise, ce voyage a été source d'enrichissement humain. Nous venons d'Autriche et bien sûr on est fiers d'être ici et de pouvoir justement terminer notre semaine, notre séjour ici avec la plantation des arbres, leur avoir pu donner cette possibilité de découvrir un autre pays, mais pas seulement un autre pays, mais une autre culture, d'échanger avec des gens d'ici, avec leur forêt. Et ben moi je suis prof de français, bien sûr ça fait aussi un plaisir de les entendre parler français maintenant plus à l'aise. De son côté, Pascal Jugan, responsable de l'action européenne et internationale au sein du lycée Antoine de Saint-Exupéry, la rencontre, le partage et l'échange avec ses élèves et professeurs autrichiens resteront des moments forts en émotions humaines. Enseigner, selon elle, c'est aussi ouvrir les élèves sur la vie citoyenne et les sensibiliser au développement durable. L'enseignement pédagogique, il est beaucoup plus élargi aujourd'hui. On a également et on fait un enseignement beaucoup plus citoyen. Et donc on ne doit pas se limiter simplement à nos salles de classe et à faire ce que l'on fait en salle de classe. Et d'ailleurs, les programmes ont changé. Le développement durable, le problème du climat, etc., nous touche tous. Et donc dans nos programmes, nous avons pour chaque discipline des possibilités de les exploiter comme on l'entend. Donc en anglais, nous le faisons en classe. Nous le faisons sous forme de projets virtuels. Nous le faisons sous forme de projets physiques avec des étrangers qui viennent chez nous et nous partons chez eux. C'est un apport extrêmement important puisque, donc bien sûr élargi là sur l'Europe, beaucoup plus grand qu'à notre échelle de la Réunion. Avec ce voyage européen à la découverte des avirons et au cœur du projet TKD mis en opération, c'est la ville tout entière qui est désormais connue dans une partie de l'Autriche. Aujourd'hui, la ville des avirons rayonne à l'international et conforte son choix de placer la question environnementale au cœur de ses actions de proximité. Ville des avirons vers un territoire durable.